POV, t'es là et c'est le cinquième jour du Inktober. Il est où le Inktober du 4? Ah mais je vous ai pas dit! En fait le thème du jour 4 c'était esquive, du coup bah... J'ai esquivé. Non, je déconne, en vrai je l'ai fait, c'est juste que j'ai pas filmé en fait. Waouh! Alors le thème de ce cinquième jour c'est le mot carte. Et je vous rappelle le concept, ici on fait pas l'Inktober mais le Ducktober. Et je sais pas si t'as déjà remarqué, mais quand tu pivotes une carte de l'Amérique sur le côté, il y a comme qui dirait une forme assez familière qui apparaît. Alors après... Théorie du complot, secret international, ovni. Oh, tu sais, le mec il dit n'importe quoi et tout. Non, mais plus sérieusement, j'ai toujours dit que les canards avaient créé le monde, alors après on croit ce qu'on veut. Hein. Mais bon, après, si ça c'est pas une preuve de ce que j'avance, faut pas être dans le déni non plus, tu vois. Bref. Tout ça pour dire que ce fameux thème de la carte, ça m'a d'abord fait penser à ce canard retourné, mais ça m'a aussi renvoyé à un très mauvais souvenir, qui est celui de mon épreuve de géographie au bac. Alors autant l'épreuve en soi c'était pas trop mal passé, autant les révisions des cartes de géographie, mon petit bonhomme, ah bah c'était aussi chiant et dur qu'inutile. Non, mais sérieusement, les dynamiques territoriales au Brésil dans les années 60, mais qu'est-ce qu'on s'en fout?